Bonjour et bienvenue par ce beau soleil, cette belle météo qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du kit de survie dans la voiture. C'est important, surtout dans la voiture. On regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bidule? Alors, dans ce petit bidule, comment j'appelle le décès de la voiture, il y a tout ce qui est compresse, compresse en long tissé pour le soin des plaies. Gilet jaune, le triangle, super important. Alors, un briquet, on sait jamais, j'ai rajouté ça dedans, voilà, on peut rajouter ce qu'on veut, hein. Ici, donc, il y a des sparadraps, du bandage triangulaire, un truc pour une bande expansible, du scotch médical, on va dire, une couverture de survie. Ça c'est super super important aussi. Une paire de ciseaux médicales aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est super important d'avoir ça dans la voiture parce que dans la voiture, hein, on n'est jamais à l'abri d'avoir un accident ou de tomber sur un accident d'une personne. Et donc c'est important de l'avoir sur soi. Alors moi je l'ai dans la voiture, j'ai une partie dans la voiture qui sert pour la voiture et j'ai une autre partie dans mon sac. Alors là je l'ai derrière le sac, j'ai dans mon sac tous les jours quand je pars au travail, j'ai minimum 3 couteaux sur moi et tout ce qu'il faut pour médical si jamais il y a un problème soit au boulot soit chez moi. Et à la maison aussi, il faut que je refasse mon kit de survie maison, enfin ma préparation de survie. Alors le décès, c'est pas non plus besoin d'être super super grand. Il faut simplement que ça soit. Il y a des choses utiles. Quoi, hein. Après, chacun aura sa manière de le faire. Et voilà. Après, on peut rajouter des choses, enlever des choses, en rajouter. Ça dépend, chacun va avoir sa méthode et sa façon de faire, comme le sac d'évacuation qu'on parlera aussi dans une autre vidéo. Donc voilà, pour cette vidéo, voilà, juste une vidéo histoire de vous dire aussi, c'est pas seulement en forêt, en montagne ou chez soi à la maison, on a engagé anciennement partout en voiture. Surtout en voiture d'ailleurs, avec tous les connards qu'il y a sur la route. Donc voilà, il faut faire attention, rouler prudemment. Et puis voilà. Et puis moi, sur cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, préparez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like et un petit comme, ça fait toujours plaisir. Merci. Ciao.